C'est avec entrain que les élèves de CM2 de l'école Marcel Pagnol s'activent dans le box des chevaux. Durant 10 séances, les apprentis jockeys vont apprendre à brosser, poncer et même à monter à cheval. La toute première chose que je leur apprends, c'est à monter et à descendre. Pour ceux qui sont à l'aise, on passe directement à la direction, à faire avancer le poney, à ralentir, à trotter un petit peu. Un travail de longue haleine, mais qui assure un moment privilégié entre les élèves et les chevaux. Là, c'est ma 5e fois. Bah, ici, on nous apprend au début à aller au pas, au galop et au trot. C'est autour de petits jeux que les enfants apprennent à diriger et à se sentir à l'aise à dos de cheval. C'est super amusant, ça change des autres sports qu'on a pratiqués. Ça fait des rencontres avec d'autres personnes, c'est plutôt des animaux. Les élèves sont accompagnés par leur professeur qui tient à leur enseigner une autre façon d'apprendre. Aujourd'hui, pour les enfants, c'est une opportunité parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas eu l'occasion encore d'aller dans un centre équestre. C'est l'occasion de se retrouver dans un environnement différent qui est celui de la classe. C'est bien, je trouve, pour la cohésion de groupe. Et puis, c'est cette relation qui est intéressante avec le poney. Tous les ans, les écoliers de CM2 de deux groupes scolaires de la ville s'initient à l'équitation, une activité 100% subventionnée par la mairie de Coignières. Coignières accueillait la 2e édition du Challenge des Lacs, un concours qui rassemblait une trentaine d'archers venus de toute l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce tir, c'est pour des jeunes et des débutants qui n'ont jamais fait de compétition. Alors c'est un peu pour leur faire entrer dans l'univers de la compétition, mais avec un tir ludique, c'est-à-dire qu'il y a moins de contraintes, on n'a pas le stress, la réussite, etc. Moins de pression, mais pas question pour autant de négliger les points. Les archers devaient planter leurs flèches dans les cibles, appelées blasons. Chaque couleur équivaut à une valeur. Le blanc, par exemple, vaut 2 points. 4. Le bleu. 6. Le rouge. 8. Le jaune. 6. Voilà. En tant que débutant, les archers se placent à 10 mètres du blason. 6 mètres pour les plus jeunes, âgés de 6 à 10 ans. Yann. J'ai fait un 10. Ouais, 10. La compagnie des archers de Coignières réunit une quarantaine de pratiquants, un club familial qui accueille de nombreux enfants. J'aime bien les concours et j'aime bien les jeux au tir à l'arc, j'aime bien les jeux de cibles, c'est plus original, c'est différent des cibles. L'année prochaine, la compagnie fêtera ses 30 ans.